On est avec Emmanuel Ruot, vous présentez Datcha. Datcha qu'on a vu deux fois au cours du meeting d'hiver, des places à la clé, une cinquième récemment sur les 2100 mètres. Comment l'avez-vous trouvé, Emmanuel? Je m'en compte très bien parce que, comme disait Jean-Philippe, en montant, il s'est retrouvé un petit peu trop loin. Il pensait que le Marmion allait le ramener, donc c'est pas une jument qu'on peut envoyer de trop loin. Donc il s'est retrouvé un petit peu trop loin des trois premières, donc elle a fait une belle ligne droite. Donc elle a fait une bonne valeur. Est-ce que vous la préférez autant sur les 2007? Pour spécialement, non, mais l'autre jour elle était en deuxième ligne, donc déjà, ça ne l'avantageait pas. Donc là, c'est pareil, il n'y a pas une grande différence. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence et l'amener un tout petit peu plus près? Déjà, deux places, c'était plutôt bien, mais est-ce qu'on peut l'avoir un peu plus près à l'arrivée dès jeudi? La différence, c'est que je vais remettre un débouche-oreille à ma jument. Parce que la dernière fois, j'avais mis un, ça avait été en coupéon avec Damien Poe, elle avait fait la faute. Donc là, il y a un petit peu de temps qu'elle n'a pas eu, on va essayer de lui remettre. Voilà, c'est un débouche-oreille. Au niveau de sa forme, elle est toujours optimale? Oui, la jument, a pas besoin de travailler très fort parce qu'elle a pas besoin de beaucoup de travail. Elle est bien, elle est souple. Après, dans ses catégories, je pense qu'elle a le droit d'être dans le quintet normalement.